Les armes sans précédent sont utilisées par l'occupation israélienne pour bombarder les civils, selon les déclarations palestiniennes. La Cour internationale de justice commence à agir. Les blessures sont graves et l'armée d'occupation israélienne utilise des armes sans précédent pour bombarder les civils. Ce sont les mots du directeur de l'hôpital Al-Shifa à Gaza pour décrire ce que le territoire endure après 18 jours d'agression israélienne continue. Un responsable du Croix-Rouge a confirmé qu'Israël bombarde désormais les hôpitaux sans même un avertissement préalable. Les hôpitaux de Gaza n'étaient pas la seule cible des frappes israéliennes la nuit dernière. L'agence de presse palestinienne Sama a signalé que l'occupation avait pris pour cible une école de l'UNRWA à Rafah où un grand nombre de réfugiés ont trouvé refuge. Dans les environs de Gaza, les troupes militaires israéliennes se préparent toujours à une invasion terrestre, mais les médias américains suggère que l'administration de Biden estime que l'armée israélienne n'est pas prête pour une attaque et qu'elle ne dispose pas d'objectifs militaires réalisables dans le secteur. En Égypte, l'aéroport d'Al-Arish continue de recevoir des avions d'aide de divers pays et d'organisations internationales pour les transporter à Gaza. La Maison-Blanche a également affirmé que Washington travaille actuellement sur un accord pour un passage sécurisé vers Gaza. Washington a souligné que le renforcement de ses forces maritimes en Méditerranée orientale représente un puissant signal de dissuasion envers toute partie désireuse d'élargir le conflit. Moscou considère ces renforts comme une menace de plus d'escalade dans la région. Sur le plan juridique, la Cour internationale de justice a confirmé son intention de tenir des audiences publiques concernant les conséquences légales découlant de l'occupation israélienne des territoires palestiniens en février 2024.